Bonjour, tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques, voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter, parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh! Agréable. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos ? Par ici. Les flaireurs se trouvent juste là. Ah, les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Ah, quelle sale bête! Tiens, tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. Ah, on y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon. Où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être ?
Je vous trouve optimiste. Bon, et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Je te présente Aile Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors, qu'as-tu pensé d'Aile Céleste? Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Aile Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvé des braconniers il y a quelques années.
Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à sa mort. Tu as peut-être remarqué que le braconnier posait même la partie. Je peux que tu s'en prennes de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Wynne a aussi parlé de braconnier. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur la dynastie. Je suis rarement d'accord avec le professeur Wynne, mais sur ce point, bien sûr qu'elle est raison. L'influence des braconniers au monde, je le vois chaque jour, l'âge, les robots de barbes habitants, et je me dis quelque chose. Mais j'y crois. En effet, ça serait pas bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je dois de vos creuser pour en dire un peu plus. Je veux savoir qui se prépare. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres. Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwyn Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préaulard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préaulard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Permettre ce conseil, essayez de retirer la lune. Revelio. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préaulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie « lune ». Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi.
J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide, pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olar prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein ? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alohomora, bien sûr. Mais, et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance et merci. Alohomora. Bravo! C'est ouvert! Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite. Vraiment ? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodel. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Ce doit être la salle de bain des préfets. Alohomora.
Revelio. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses réponses. Je voulais parier quelques galions sur Poufsouffle cette saison. Poufsouffle ? Pas Serdaigle ? Je m'y connais en Paris, et Serdaigle... C'est un sport très honorable. Il représente tout ce qui compose la condition humaine. Comment ça ? Eh bien... Ça ressemble beaucoup à la vie, non ? Revelio. Allô, Mora. Revelio. La tour des professeurs est professeur alors.
Revelio. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent! Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'ils s'adressaient à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrok et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrok, où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrok collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrok pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils. Mais faites attention. Je vous en prie. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Mon père me disait toujours de bien. Bonjour. Content de te voir en dehors du château. C'est réciproque, Amit. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverai sûrement ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non. En fait, je voulais vous parler. De Ranrok. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche.
C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrok et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Cyrona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Cyrona vous fait confiance... Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrok me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrok et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrok, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous, que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Revelio. Revelio. Je suis prêt. Bien. Ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce que... Ah, et la voici, la tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos, non? Revelio. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Revelio. C'est verrouillé. Des papillons. Étrange.
Lumos. Revelio. Par la barbe de Merlin. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Confringo. Incendio. Repulso. Revelio. Lumos. Revelio. J'ai l'impression que je suis pas seul ici. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Revelio. Lumos.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Il y a un symbole de papillon là-dessus. Le même que sur la porte. Revelio. Lumos. Revelio. Action. Lumos. Réflexion. Revelio. Qu'est-ce qui pend ? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Elle est verrouillée de l'autre côté. Réflexo ! Revelio ! Leviosa. Revelio. Action. Revelio. Revelio.
vais descendre. J'ai pas le choix. Revelio. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Incendio. Confringo. Levioso. Incendio. Confringo. Protego. Revelio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Revelio. Lumos. Répulsion. Confringo. Répulsion. Confringo. Repulso. Ça me semble encore plus complexe. Confringo. Repulso. Revelio. Revelio. Répulsion. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Confringo. Incendio. Revelio. Confringo. Revelio.
Revelio. Lumos. Repulso. Revelio. Repulso. Lumos. Protego. Faire tourner ceci devrait faire monter la plateforme. C'est sûrement la clé. Repulso. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos. Repulso. Revelio. Lumos. Lumos. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le home se trouve. Revelio. Un serpent cendre mort. Je dois montrer ça à Lodgok. Je sais qu'il existe un mécanisme pour ouvrir cette porte. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince ! Ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Oh.
Permets-moi d'abréger tes souffrances. Allô, Mora. Revelio. Les voilà. Les serpents cendres. Levioso, Expelliarmus. Expulso! Confringo! Expelliarmus, Incendio! Tu croyais pouvoir m'échapper, hein? Regarde un peu! Levioso! Confringo! Très bien. On va devoir faire mieux que ça. Expulso. Qu'est-ce que tu... Oh, Confringo. Expulso. Senko. Expulso. Confringo. Confringo. Revelio. 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 Voilà. Ça, c'est pour Rockwood. Je vais aller voir de plus près, au cas où. Incendio. Confringo. Levioso. Tu es toujours aussi mauvais. Expelliarmus. Voyons comment tu t'en sortiras. Levioso. Je ne crois pas. Prévisible. Incendio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Revelio.
l'endroit. Parfait. Un peu d'entraînement. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrok sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures, ses superbes courbes... Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrok devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance.